Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat, François Vajiben Chana, Janine Rudbad, Fortu, Mazel Fritna, Kloshlomo, Ben Shalom, et Ishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions à Sechet Pea, Perek Vav, Mishnah Dalet. Ve Elouen Rasheshurot, Shnaim Shitrilou, Me Emtsa Ashura. Ze Panav la Tsafon, Ve Ze Panav la Darom. Ve Shachechou Lifneem, ou Le Acharehem. Et Shelifneem Shichecha, Ve Et Shelacharehem, Eino Shichecha. Yachid Sheitchil Mero Shashua, Veshachach Lefanav Ule Acharav, Shelefanav Eno Shichecha, Veshele Acharav Shichecha. Mi Pene Sheu Bebal Tashuv, Ze Aklal, Kol Sheu Bebal Tashuv, Shichecha, Veshano Bebal Tashuv, Eno Shichecha. On a une Mishnah qui va venir expliquer la première phrase de la Mishnah précédente, que lorsque j'ai donné le cours sur la Mishnah précédente, j'avais pas assez compris ce que ça voulait dire précisément. On reviendra ensuite vers la fin de la Mishnah. On a une Mishnah relativement longue. C'est pas compliqué, il y a un seul principe à comprendre, et d'ailleurs, on va passer directement par la fin de la Mishnah qui me dit la généralité du principe. Qui me dit que « kol she'u bebal tashuv, alors ave ze shichecha, mais im eno bebal tashuv, alors il n'y a pas de shichecha. » On parle de « shichecha ta omer » ou « shichecha ta kama », c'est le même principe, on va parler précisément de la « shichecha ta omer » parce que la Mishnah a parlé de « shichecha ta omer », c'est-à-dire, lorsqu'on a fait les gerbes de blé dans le champ, on a cueilli le blé, on a fauché le blé, on en a fait des gerbes, on les a étalées. Regardez, chaque point qu'il y a ici, c'est une gerbe. On a cueilli le blé, on a fauché, on a attaché, on a mis. Vient le moment où il va falloir ramasser le blé. D'accord? On est me'amer. On va le ramasser pour ramasser les omarim. Hein, omer, c'est la gerbe. Alors, on doit le ramasser le blé. Et on a pour le moment, on a, en théorie, le verre dans le sang. Je ne sais pas si j'ai fait des sangs. J'ai oublié quelques points, mais c'est pas grave. Et les points noirs, c'est ceux que j'ai ramassés. Les points blancs, c'est ceux que j'ai sautés. Ça, c'est la lecture, c'est la légende de notre schéma. Avec ici les directions nord, sud, ouest, est. Nord, sud, est, ouest. D'accord? Comme ça, on va comprendre selon la Mishnah, comme elle nous présente le cas. Le principe, je le dis tout de suite. La Torah nous a dit, lorsque tu cueilleras ton champ, hein, alors, l'otashu, veshachata omer basader, l'otashu la carte. Et tu oublieras un, tu ne reviendras pas. Regardez le terme, tu ne reviendras pas dessus. Revenir dessus, ça veut dire que tu l'as rencontré, puis tu es passé outre, à exclure toutes sortes de cas où tu ne l'as pas encore rencontré. Imaginez par exemple, alors là ça va devenir délicat quand on va entrer dans les détails, mais l'idée générale, elle vient me dire que si je dois ramasser 5 éléments, donc je dois commencer par 1, 2, 3, 4, 5, et... Je saute le premier et je commence depuis le deuxième. Le premier, est-ce que ça s'appelle que je l'ai oublié ou pas? C'est-à-dire, la Torah me dit, pendant que tu ramasses, et tu en oublies un. Or, le premier que je rencontre et que je saute, je n'ai pas encore commencé à ramasser. Alors, il est un petit peu en stand-by, ça dépendra de la suite. Et comme on verra dans le film de Mishnah, plus de cas particuliers. Et réellement, je vais vous dire, je prends tout de suite le cas, d'accord? Imaginez par exemple, on va prendre le cas, ça va être le cas de la deuxième partie de la Mishnah plutôt. Je commence à ramasser tout, j'arrive au bout de la ligne, et au lieu de ramasser le dernier, je passe à la ligne suivante, et je pars dans l'autre sens, pour ramasser les omarim. Et je continue comme ça. La question, est-ce que celui-ci, ça s'appelle une shichecha ou pas? Est-ce que ça s'appelle que je l'ai oublié? Eh bien figurez-vous que je ne l'ai pas encore oublié. Parce que concrètement, selon ce que je suis en train de faire de cueillir, peut-être qu'en réalité je prévois de faire comme ça. Quelque chose de très logique. Pour après, à la fin, hein, quand j'arrive ici, et je ramasse tout dans ce sens et je reviens dessus. Il s'avère que celui-là, je ne l'ai pas encore oublié pendant que j'étais en train de cueillir. Il était devant moi, je ne suis pas encore passé outre. Passer outre, ça signifie que j'étais en train de me jeter le cueil. 1, 2, 3, 4, le cinquième, je l'ai sauté. Là, c'est une vraie shichecha. Je l'ai sauté, je suis passé dessus. Alors la Torah me dit, hé, l'otachouv, les cartons, tu ne reviendras pas dessus. Revenir, ça signifie que tu es passé devant, tu l'as ramassé. Or, celui-là, lorsque j'ai tourné ici, je n'ai pas encore passé outre. Parce que, concrètement, peut-être que j'ai un schéma logique de ramassage des gerbes de blé, où je prévois de venir le ramasser à la fin, hein, avec une nouvelle ligne. Ça veut dire, en deux mots, c'est comme ça que je dis tout de suite la phrase de la Mishnah précédente, « Rasheshurot mochiach alav » les têtes de ligne, va prouver, c'est-à-dire que puisque celui qui est là, à part, il est Rosh Shura, il est tête de ligne, alors il y a une autre tête de ligne qui va lui prouver dessus qu'il n'est pas encore Shichecha, parce qu'il peut être englobé avec une autre ligne encore, de manière logique.
Alors que celui-ci, par exemple, que j'ai oublié, lui, il ne peut plus être englobé parce que quand tu vas cueillir, tu es passé outre. Ne me dis pas, tu vas ramasser les dalles, tu vas ramasser, après tu vas venir. Ouais, même quand je joue au snack, là, le petit serpent, là. T'as aucun chemin, tu vas revenir dessus, tu vas perdre la partie, quoi. D'accord, c'est vraiment, l'exemple, il est bête, mais il est très vrai. D'accord. Alors que là, le dernier, peut-être que tu vas complètement, tu vas venir sur une dernière année, tu vas le ramasser. Vous avez compris l'idée? D'accord. Maintenant, on va s'intéresser au cas de la Mishnah qui va me présenter deux situations. Une situation avec deux personnes qui cueillent, qui ramassent le blé, et une situation avec une personne qui ramasse le blé. Et forcément, les données vont se modifier selon le cas. Avec, je commence tout de suite. Veloine, Raché, Shurot. Telles sont les têtes de ligne qu'on a évoquées dans la Mishnah précédente, que les têtes de ligne vont prouver est-ce que c'est une Shechecha ou c'est pas une Shechecha. Et on commence avec un premier cas. On a deux employés qui ramassent le blé, qui commencent au milieu de la ligne. Ouais, j'ai pris Réhouven et Shimon, deux employés, pour leur dire ramassez-moi le Homer, toi, et partagez-vous le champ, travaillez tous les deux ensemble. Et donc, comment ils se partagent le champ? Ils disent, au lieu qu'on va marcher 50 km et qu'après je dois partir de l'autre côté, tout ça. On a coupé ça en deux, on a dit 5-5, on a 5 rangées dans la partie sud pour Réhouven, 5 parties dans la partie nord pour Shimon. Et comme ça, on se partage, et comme ça, on a bien délimité le champ. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi hein? Donc, tous les deux viennent commencer depuis le début de la ligne. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, je ne sais pas pourquoi, Réhouven, c'était lui qui devait ramasser le premier. Mais au lieu de commencer lui, il a commencé depuis le, si vous comptez, c'est le quatrième. Et l'autre, bien sûr, il a commencé depuis le sixième, parce que c'est sa partie. Lui devait 6, 7, 8, 9, 10, et l'autre, il devait 3, 4, 5. Mais lui, il a cru que non, 5, ça signifie que le 5, il appartient à lui. Donc il a commencé, on a ici Shimon qui va dans ce sens, Réhouven qui commence ici, qui va dans ce sens, et il saute le premier. Il saute le premier, mais cette fois-ci pas parce qu'il est en train de cueillir, il a une raison pourquoi il a sauté le premier. Parce qu'il se dit que le premier, le numéro 5, d'accord? Il s'est dit que le numéro 5, c'est l'autre qui doit le ramasser. Donc il n'a pas encore commencé à cueillir. Si tu viens cueillir, et tu dois réellement ramasser 1, 2, 3, 4, 5, et tu sautes le premier, tu es venu cueillir les 5, tu t'es trompé. Mais si tu viens cueillir et tu dis j'ai 5 devant moi, mais le 1 je le saute parce que le 1 c'est lui qui doit le ramasser. Il s'avère que celui-là pour le moment, tu l'as pas sauté pendant que tu es venu le cueillir parce que tu n'es pas venu le cueillir. Tu as cru que c'était quelqu'un d'autre qui devait le ramasser. C'est l'idée. C'est clair. Alors je reprends. Véloin Rachishod. Je vous promets que cette Mishnah là, ça fait. C'est la quatrième fois, si vous voyez, il y a certains. C'est la quatrième fois que j'enregistre. J'ai eu que des takalotes. Je pense que j'ai mis Shamaim, parce que je n'avais pas encore eu les clics pour bien comprendre précisément tout ce qui était écrit. Et maintenant, Bezant Hachem, je pense qu'elle cette fois-ci, elle est encore mieux. D'accord? C'est vous qui avez gagné. J'ai passé une heure en plein préparation de Soukhot, en étant fatigué tout ça, pour pouvoir le faire. Bah, Baruch Hachem, que maintenant, la Mishnah devient de plus en plus claire, mais c'est Ishmael. Donc, maintenant, on a le cas. Zé Panav, on a Shnaim Sheitrelo, Be'emeemsa Ashura. Deux employés qui sont venus cueillir depuis le milieu de la ligne. Zepanav la Safon, un il va en direction du sud, du nord, et l'autre il va en direction du sud. Zepanav la Dorvelin, sa face, il doit marcher en direction du sud pour la ramasser. Et comme ça ils se partagent. Veshachechou l'ifnehem ou la charem. Ils ont oublié du Homer devant eux et derrière eux. Donc, ils ont commencé, lui il a commencé ici, il oublie un derrière lui, et puis après il va oublier un devant lui, on va dire que c'est celui-là, oublier celui-là parce qu'il est un peu plus problématique. C'est d'ailleurs la problématique dans le pion du Bar Tanoura, mais pour le moment on passe outre. Et donc, Veshachrechou Omer, Veshachrechou Lifneem Olacharem, ils ont oublié du Omer devant eux et derrière eux. Et chez Lifneem, Shichrecha, ce qui est devant eux maintenant, c'est une Shichrecha parce que tu es passé outre, mais celui qui est derrière toi, c'est pas de la Shichrecha, et non Shichrecha. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant on va parler d'un individuel. Yachid Sheitril Merosh Ashura, un individuel qui commence depuis le début de la ligne. Veshachrechefana Volacharal. Et pendant maintenant qu'il dirige, il a oublié du Homer. Une fois qu'il est passé outre, il a oublié derrière lui, mais il a aussi oublié un devant lui. Parce qu'en fait, il a tourné ici, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors la Mishnah me dit, « Chez les fanav, eno shichecha, mais chez les aferav, shichecha. » Celui qui est devant lui, c'est pas de la shichecha, mais chez les aferav, et celui qui est derrière lui, shichecha. Une fois qu'il est passé outre, il est passé au-delà, ce qui reste derrière lui, c'est de la shichecha. Mais ce qu'il oublie devant lui, c'est pas encore la shichecha. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que lui, comme on a dit, que peut-être qu'en fait il y a un autre schéma de finir le chant et de venir par ici, d'accord? Donc ce qui est derrière lui c'est Shekha, parce que cette fois-ci là s'il revient dessus, il va transgresser l'interdire de Baltachou. Tu ne reviendras pas dessus. Revenir dessus, c'est une que tu es passé devant et tu ne l'as pas ramassé. Et la Mishnah conclut en disant la généralité, Zehakla, telle est la généralité, Kol Sheu Bebaltachou, Shekha, tout ce que tu es passé outre, donc maintenant il y a un interdit de revenir dessus. Alors c'est de la Shekha. Mais ce qui n'est pas concerné par tu ne reviendras pas dessus, parce que tu n'es pas encore passé devant, comme celui-là du coin, alors, et non, shichecha, ce n'est pas de la shichecha. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un chag soukot, sameach bezat Hashem, avec énormément de bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, qu'on n'entende plus des misères et que la bezat Hashem, qu'on en vienne au terme de cette galoute terrible, b'siata d'Ishmaïa. Pour notre propos, le cours de Mishnah, on se retrouve à Israël des Israéliens, ce sera Sefer Torah pour les Français, vous récupérez le cours Bezrat Hashem à la sortie de Sukkot, comme ça on continue Bezrat Hashem avancé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.